ce mardi 26 mars, Sest sur les réseaux sociaux que Marianne James Sest rendue pour dévoiler une photo inédite à ses abonnés. Un cliché des archives qui lui a valu de nombreux compliments. Marianne James, connue pour être l'une des membres du jury de l'émission La France a un incroyable talent, a une grande carrière artistique derrière elle. Auteure-compositrice-interprète et animatrice de métier, Marianne Gandolfi, de son vrai nom, a fait ses premières armes sur scène en 1980, en faisant la première partie de William Scheller à l'Olympia, avec son groupe intitulé Les Démons Loulous. Les années passent et la chanteuse enchaîne les projets musicaux et à la télévision. En 2004, elle figure d'ailleurs parmi les jurés emblématiques de l'émission La Nouvelle Star. Steve Estatoff, Myriam Abel, Christophe Willem et Julien Doré figurent d'ailleurs parmi ceux qui ont été repérés par l'artiste et ses collègues. Sa longue carrière, Marianne James semble en être particulièrement fière. C'est du moins ce qu'elle a laissé entendre ce mardi 26 mars sur les réseaux sociaux. Marianne James nostalgique. Sur Instagram, Marianne James a publié une photo des archives où elle apparaît aux côtés de deux artistes connus dans le monde de la musique, Philippe Blin, flûtiste, et Jeannot Athénol, batteur. Sur ce cliché, la chanteuse est âgée de 18 ans et arbore une longue chevelure brune. Et dire que je me trouvais grosse à l'époque. Mais qu'est-ce que j'ai été ces astérisques NNE? Pourquoi? Mais pourquoi POURQUOI? Pourquoi a-t-on si peu de jugeote quand on est jeune? A-t-elle déclaré en légende. Une photo souvenir qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés. Magnifique. Tu étais très belle. Et tu l'es toujours. Quelle beauté. Je te trouve éblouissante et rayonnante. Mais quelle jolie photo. Quelle beauté Marianne. Peut-on lire parmi toutes les réactions élogieuses? Voilà qui fera plaisir à l'intéressé.